Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite immersion à Mamoudzou. Je vais vous faire revisiter Mamoudzou encore et encore et encore. Allez, on va se promener un petit peu. Pour voir la ville de Mamoudzou. Alors ici on a une petite mosquée à Mamoudzou là, à côté du bazar, il y a une petite mosquée qui est là, où les gens prient, l'office de tourisme. C'est un petit peu désert aujourd'hui, Mamoudzou. Très désert. Alors ici, on a l'office de tourisme. Le comité, ils appellent ça comité de tourisme. Un petit pizza burger là. C'est très calme aujourd'hui, Mamoudzou. C'est un petit peu vide, un samedi. Un petit peu normal que ça soit. Que ça soit vide. Ça va? Où est-ce là? C'est là où on va? Ah. Left mirror. Out the door. Comme un fou lui. Hey, le tractopelle là, il est sérieux lui. Alors voici votre Mamoudzou pour ceux qui n'ont pas vu.
qui n'avait pas vu depuis un certain temps. Voilà ce que ça donne le nouveau Mamoudzou hein, qu'on a ici 2022. Ici, il y a des hôtels, restaurants. Mais c'est un samedi. Une journée un petit peu calme pour filmer, donc c'est nickel. Maison des entreprises. Ici, il n'y a que des boutiques. Un parking. Un petit parc aussi hein, pour le petit repos de midi. Donc on est toujours à Mamoudzou les amis, hein. On n'est pas ailleurs, on est encore à Mamoudzou. Tout ce que vous allez voir, c'est Mamoudzou. Hein. Donc tout ça que vous voyez, c'est des maisons à louer. Au-dessus, il y a des maisons à louer. Hein. Comme vous voyez, les maisons à louer, les petites maisons ici à Mamoudzou. Toujours des zones en travaux là. Alors, soyez pas très surpris, hein, nous sommes à Mayotte. Ce que vous voyez là, certains, c'est des bureaux d'entreprise, etc. pour les banques, etc., etc. Ah, il n'y a personne, c'est un samedi, c'est samedi aujourd'hui, donc il n'y a pas foule. Pendant la semaine, les gens courent, le week-end, les gens se reposent de la galère de la semaine. Alors ici, on a toujours des maisons là à louer. Alors je vérifie juste un truc. Ici on a la préfecture qui est là. On a la préfecture de Mayotte qui est là. D'accord. C'est ici.
Donc ici, là, on va monter vers l'hôpital. L'hôpital de Mamoudzou. Allez, on partage le live, les amis, on partage le live. C'est un super moment. C'est un super moment pour visiter Mamoudzou parce que c'est calme. Il y a moins de monde. Ici, c'est quoi? Bureau des directions, des directions des affaires culturelles de Mayotte. Maison département de personnes handicapées à Mayotte. Ah ben tiens. Alors ici à ma droite, il y a l'hôpital là. Et ici on descend vers le bazar. CHM de Mamoudzou. Et bien sûr que c'est vide un petit peu. Les urgences ici. Ça ici, centre de consultation ici, les urgences ici, le grand hôpital, laboratoire, radiologie, hospitalisation, c'est l'autre côté là, ici là. Les petites rues. C'est très calme. Allez, on partage le live, on partage le live, les amis. On est à IRM ici, côté hôpital. Ici, on contourne toujours l'hôpital. Hein.
Ah ben, ça fait toujours plaisir pour ceux qui sont en France et qui n'ont pas vu Mayotte depuis X temps. Ça fait toujours plaisir de voir maintenant. Vous voyez un petit peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Hein. Les structures, les bâtiments. Donc, grand hôpital de Mamoudzou. C'est ici. Hein. Voilà. C'est ici l'hôpital. Il y a accès réservé aux pompiers ici. Et l'autre accès, l'accès public, un petit peu plus en haut ici, que vous apercevez là. Donc nous, on va descendre cette rue. D'accord ? Pour s'immerger au plus bas. Là ici il y a la direction générale de la police nationale, Mamoudzou. Oh, ah, on met une rase, man. Ça va? C'est un oh, bah, quoi les miens? Quoi les miens? Et ouais. Hein? Et ouais. Ah, ok, d'accord. Oui, vous allez aller au soir, vous bébé, là, soir? Donc ici on a un petit chemin ici, on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne ce côté là. Là ici on a... On va pas passer ce côté là. C'est juste pour voir un petit aperçu de cette allée là. Réfléchis. Allez, on reprend ici. Donc là, ici, on va passer vers le côté hôtel des impôts, Mamoudzou. L'hôtel des impôts est à ma gauche. Alors ici, parc de saisie ou parc de stockage pour la police nationale que vous voyez. Alors ici on a les hôtels des impôts que vous pouvez apercevoir. Service public, finance publique, pardon, qui est ici, qui est disposé de barbelés. Hein. Alors, ici, on a deux rues. On a petite patte d'oie ici.
Donc si on prend ce côté-là, ça descend vers là où il y avait l'ancien hôpital qui était ici, plus en bas, et ce côté-là vers le marché. Il y a un autre marché. On va aller voir. On va voir de ce côté-ci, là on va descendre. Donc pour ceux qui ont des interrogations, je suis né à Mtamboro, d'accord, mais j'ai plus vécu ici entre les deux, on va dire. C'est kiff, j'ai vécu à Mamoudzou, ça c'est des endroits où je traînais quand j'étais petit, hein. Je traînais ici, hein. Donc j'ai ma famille qui est de Mamoudzou. Côté de chez mon père, Mamoudzou, Akwa, un petit peu partout, quoi. Alors ça fait toujours du bien de revoir. Ici on a une allée. Alors ici il y a des chemins à couper. Si je prends ce chemin là, je vais tomber directement chez ma grand-mère. Voilà. Mamoudzou, les amis, avec sa splendeur. Alors, il y a une boutique GG ici, et les autres, c'est des habitations. Donc si on continue ce côté-là, on va aller direction Passmaïti, vers là. On va sortir sur le croisement là, de la route qui mène à Passmaïti. Et ici, on va aller vers le bazar à Mamoudzou. Donc nous, on reste à Mamoudzou. Là, on va aller montrer les autres rues.
d'abord aller dans l'autre sens, après on revient après, hein. Histoire de montrer à quoi ça ressemble maintenant le coin. Transformation totale. Il y a quand même quelques trucs développés, hein. Des bâtiments développés. Il y a eu un tout petit peu d'effort, hein, au niveau du développement, hein, et ça passe. Ça va aller. Punaise, ça c'est une télé, ça. Smart TV, vous avez vu la taille de la télé? Putain, 8K! Pouah, le mec! 214 cm! La vache! Eh! Lui, il rigole pas, lui! Hein. La télé coûte au moins 3000 euros! Hein. On va aller monter, voir un tout petit peu en haut là. Ici, c'est des endroits que là où je traînais souvent. Alors, on va voir ce qu'il y a en haut. Eh oui, ici, ils sont chauds, hein. Alors, on va prendre la rue, là. Alors, ça,
Alors ici on va aller descendre pour rejoindre la route qui va vers Passementi, un croisement tout simplement, hein. Et croisement. Enfin. Je pense que la plupart d'entre vous, vous voyez où je suis. Pas d'inquiétude. Quelques rues. Ça, des appartements ici. On a des appartements là. Donc ici, si on prend cette direction Passementi, on va rejoindre la route principale là-bas au bout pour aller direction Passementi. Ici, si on passe par là, on va aller côté MJC. D'accord? Cette route-là, là. Donc nous on va revenir sur nos pas. D'accord. On va passer. Ah, quoi que je peux descendre un petit peu ici. Descendre un petit peu là. Histoire de remonter sur l'autre côté. Ça, vous aurez une idée. Ici, il y a un gros bloc de construction. Les manguiers qui fleurissent. Bientôt on mangera des mangues. Bientôt, bientôt. C'est une caméra. Et là, tu dis quoi à la caméra? Rien du tout. Ça va, quoi? Bonjour les enfants.
Alors nous, on remonte sur ce chemin-là. Ici, on est sur le quartier vers le MJC. Alors, on va faire un tout petit point de topo. Donc, collège de Ngombani, on est tout près de MJC Ngombani. D'accord ? Mamoudzou, hein. Cavani, j'y étais déjà, les amis. Regardez sur mes lives, j'étais déjà à Cavani. Donc aujourd'hui, je fais Mamoudzou. Un autre jour, Cavani. Mais si tu veux voir Cavani, va sur le premier live de Cavani. Tu verras bien à quoi ça ressemble Cavani aujourd'hui. En 2022. On va couper ici. Donc ici, rue de commerce, boulevard Selemani, boulevard Halidi Selemani. Donc, cette rue, elle descend directement au rond-point de Mamoudzou. Elle va jusqu'au rond-point de Mamoudzou. Donc, allez, n'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. La rue Halidi Selemani, Mamoudzou.
Donc les gens qui cherchent d'autres villages, vous allez sur la page, vous sélectionnez vidéo et vous regardez un petit peu le titre. Les immersions Mamoudzou, Cavani, etc., etc. Ça va, Alhamdulillah. Alors, toujours à Mamoudzou, on a déjà des gens sympas, merci. Pour ceux qui s'arrêtent pour discuter avec moi, merci. C'est assez sympa ici, ce coin. Toujours à Mamoudzou, belle place. Alors, on va descendre un tout petit peu pour voir. Il y avait un petit parc. Alors ici, on arrive vers la mairie de Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou. Donc ici, l'hôtel de ville, la mairie de Mamoudzou qui est là. Hein? C'est le plus beau de tous, mais voilà. Mamoudzou. Donc ici on aperçoit la barge qui a décollé.
On va voir la venue du défilé à Mayotte. Cette avenue-là. Il fait extrêmement chaud. Il fait très chaud, hein. Alors ici, route principale, direction Passementi, ici, d'accord. Bon, il est 14h. Donc là, on va vers le quai. Zokwil, ça va? Alors, ça commence à se resserrer avec les bus. Monsieur Nimbetu. Yo comme le Lyonnais il a moi. Mmh.
On est vers le rond-point de Mamoudzou. Donc il va falloir que je me dépêche. Bon, le parking et la petite place publique qui est en haut. Il y a déjà 2 mois là, trois mois même. Ouais, mais je vais voir dans les 3 mois qui restent pour monter parce qu'à chaque fois que je passe ici, ben, t'es à la pause, t'es à la pause à chaque fois que je passe là. Ouais, ben oui, c'est ouais. Quand tu veux, ça va. Vas-y. Bien, nous avons un bon état. Salam alaikum, ça va? Ah, oulem nia, oulem menia, tout vous a épia. Non, wami hangujo, wamu adzina wajumazali. De wai mnya umosho ole, wai mnyela toza ya mula mnishito. Mana wai dakana wai bi, mais. Donku amfanya mnya hina iswaf de. Mias dua. Mbani. Ule. Ah, de wafanyi, mbani wamu adzina wai sa. Hein? Yani wa imtu mfanyia shtuyo kasi na fikira mba na shtunje mana wae donku wajemazai wa mbaninu wa mdishi tu ule abaki tu natongozai tu donc une fois moi je m'asais au chapitre na tongo tu wiki wa be wa yole donc wao na wami tena ta moja na je m'asais au side on waambe wa tibari miezi 2 inshallah mwezi mwa ngere dzi strong mais be yo strong nzangu mnya wala ifanye strong nzangu fof. Toujours à Havi, non? Il est. Où non? Y a nous hiro menyef. Y a nous menyef. Droit à menyef mia. Menyef fumais. Il est juste à faire ici avant. Manawai. Manawa yule akoshopara tongozai za kujukiri alhamdulillah won ule ajafa carte za tongomba be inshallah wasumgoja dera mwezimgwa tsotino tongwa tsompara pia kia babo zombisaidia babo inshallah yo.
Donc, petit moment de discussion avec les gens. Alors, passage piéton. C'est le seul feu qui est à Mamoudzou. Le seul feu qui est à Mamoudzou, ça a toujours été celui-là. Ah, ça m'arrive, j'échange souvent avec les gens, donc désolé pour la petite minute discussion avec les gens que je croise. Le grand parking de Mamoudzou. Il n'y a pas de traçage ici. Hein. Tout le monde se gare n'importe comment. Chacun se gare comme il veut. Il n'y a pas de traçage. C'est aménagé, hein, mais il n'y a pas de traçage au sol. Y a pas, tu ne sais pas qui se gare où. Du coup, chacun se met n'importe comment. Voilà, on sent qui, hein, c'est toujours hein, Mayotte. Hein. Il faut que ça soit un bordel. Donc c'est un bordel couvré. Hein. Pas de traçage au sol. Hein. Pourtant, c'est un grand parking de Mamoudzou. La place des taxis là-bas. Le parking ici. Et du coup, c'est le foutoir. Le parking, il est troué, il y a des trous. Voilà, il y a des petites piscines comme ici, là, vous voyez. Là, il y a des bosses. Il y a du caillasse. Voilà. Il y a des trous aussi. On peut tout trouver, hein. Ouais. C'est le parking de la capitale, hein. Oui. Eh oui, 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 oui. Ouais. Ouais, ouais, j'invente rien, les amis. J'invente rien. Mamoudzou, oui. Oui, oui, oui. Vous vous trompez pas. Hein. Il y a beaucoup de trous de souris ici. Hein. Voilà. Ça n'est une. Deux. On peut compter. Hein. Trois. 4 et 5 aberrant. Et là quand il pleut, une petite jolie piscine ici là pour se doucher là, pour se baigner. Le trou de malade qu'il y a ici. Voilà, super hein, la capitale. Hein. Rien à dire. Eh, super. Super, franchement super. Là ici on a des trous aussi hein. Ça c'est le parking qui n'est pas signalisé, d'accord, parce que pour bien se garer il faut faire un traçage au sol pour que les gens puissent bien se garer respectivement. Donc ici c'est du grand Mendez, voilà, comme on peut le dire. Mais voilà, continuez, c'est très bien. C'est très bien, on est bien. Ouais, c'est très bien. Donc, sur ce, les amis, notre live s'achève ici avec notre joli parking ici à Mamoudzou, Mayotte.
voilà, le plus grand parking qu'on peut trouver ici à Mayotte. Eh bien, un parking non signalisé dans la capitale. Voilà. C'est excellent. Super. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi. D'accord ? Que Dieu vous protège. On se retrouve pour des nouvelles immersions demain ou après-demain, je ne sais pas. Dans la semaine, peut-être. Et donc, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.